Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Yeah.
Omega. El Shaddai Dieu. El Shaddai. Jehovah Nissi. Yonde Jehovah Nissi. Jehovah Shiken. Jehovah Shiken. Jehovah Rohi. Yonde Jehovah Rohi. Adonai. Yonde Adonai. Tukumba Beli. Nous t'adorons. Oza yonso pour nabizo. Tu es tout pour nous. Oza pomo inabizo. Notre vie. Tu es force en ces temps-ci. C'est toi notre joie. Yonde et Sengo Nabiso. Tu es tout pour nous. Nous sommes Nabiso. Nous t'adorons. Une fois de plus, nous venons devant toi pour entendre cette parole qui donne la vie. Parle-nous. Fungo Nabiso. Illumine nos yeux afin que nous comprenions. Afin que nous voyions tout ce qui est caché dans tes écritures. Ta parole nous a dit. Le banayo alobinabiso. À nous est donné le privilège de connaître les vérités cachées. Nabisonde et pesami ngolu ya koye baba sekele.
de vérité cachée dans ton royaume. Parce que les hauts et talis vous conduisent à eux. Dès que nous allons naviguer dans les Écritures, illumine notre entendement. Na pameli molimo nyoso ya kozanga kososola. J'ai banni tout esprit d'incompréhension. Au nom de Jésus. Et na yambi. Je reçois ta parole. Afin que je la transmette telle qu'il le faut. Na yambi expression surnaturelle. Je reçois l'expression surnaturelle. Et toute la gloire revient à toi seul, mon Dieu, mon roi. Et très de kémonion ce sont les yomo konzame mo kondinanga. Merci, papa. Matondo, tata. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Na pesi bino ba solisus mbote na tango yo biskozo yangangae uzola nangae na mokini na sia moi zame nangae za zame na yo zame nangae pambo la bino Yesu Masia apambo la yo na kombo na Yesu. De partout vous nous suivez, je vous salue tous au nom de Jésus et puisque notre Jésus soit ton Dieu et qu'il demeure avec toi. J'espère que tu es béni au travers de ces enseignements. Et ce serait une forte joie d'entendre vos réponses. Ça nous encourage. Ezali ko encourager biso. Et elongo elonga Isaïe biso. Ensemble, la victoire nous appartient. Bandeko. Bien-aimé. Nous avions déjà commencé cette série aussi qu'on a mis Boyo Chama Pembeni. Tomoni mon significance, il y a mon wana exemption. Nous avions vu que signifiait le mot exemption. Tolobiza exclusion. Exonération. Être épargné de quelque chose. Dégagé de quelque chose. Alléluia. Amen. Si ma tokoti na ba mystère du royaume, ba instrument, oye koko sunga biso, comme point de contact, pour na épanouir biso. Et après cela, nous avons commencé à voir les mystères du royaume qui nous servira comme instrument pour nous épargner de tout ce qui arrive au monde aujourd'hui. Oyo Bible ebengi mystère du royaume, version sous le bi vérité cachée. Et dans une autre version de la Bible, il est écrit vérité cachée. Voilà que ba vérité cachée oyo, ba mystère oyo. Eza sujet moko critique oyo ba ba critique ango à cause ko zanga koyeba. Et voilà pourquoi ces vérités cachées sont souvent critiquées par manque de connaissances. Tomoni mystère de l'huile d'onction. Tomoni mafute pa konami. Tomoni mystère du sang de Jésus. Tomoni makila na Yesu. Apeto kotina mystère de communion de sa chair et son sang. Tomoni o etali elambo e santu ya nzoto pe ya makila. Lelo tozo koba. Aujourd'hui nous continuons. Nous allons voir quelque chose d'autre qui est important. Tomoni mystère du manteau. Otrobi mystère ya manteau. Alléluia. Amen. Mystère du manteau, tu suis comme on en a. Deux rois, chapitre 2, à partir de verset 8. Le nom manteau est tiré du livre de chapitre 2, à partir du 8e Bien-aimé, verset. Bien-aimé, j'aimerais te faire voir que, Zambé, que Dieu, mystère du royaume, oui. Par ces mystères du royaume, a koiko exempté yo na ba malheur, na ba misère. Il peut t'exempter de tout malheur et toute misère. Alléluia. Amen. So yo tangi livre ya Exode. Si vous lisez le livre d'Exode. Basine de prodige oyo Aaron na Moïse ba salaki. Les signes et prodiges que Moïse avait performé. Ezana zela ya bâton. C'était au travers d'un bâton. Bâton wana ne manteau na bango. C'était ça leur manteau. Bien-aimé. Molingami. Mystère de manteau. Le mystère de manteau. Ils ont matériel contaminé avec la puissance du Saint-Esprit. Comme lui, donc, je dégage la puissance du Saint-Esprit. Comme la Sainte-Sainte dégage la vie de Jésus. Manteau aussi peut être contaminé avec la puissance de Dieu. Nanguya ya Nzambe. Et ça dégage aussi la puissance de Dieu. Pe abimisa kanguya na Nzambe. Alléluia. Amen. Na kolinga to bananano. J'aimerais que nous commencions premièrement. Parce que na loba nguya Nzambe koko contaminé matériel yonso. Tel que je le dis, la puissance de Dieu peut reposer sur n'importe quel matériel. À l'époque de Jésus moni batumako bazali. À l'époque de Jésus, il y a certaines personnes ba infirme
Il y avait des malades qui allaient dans une rivière. Celui qui entrera le premier sera guéri. La puissance de Dieu manifesté là. C'était manifesté là. Dieu peut utiliser n'importe quel matériel pour dégager puissance là. Dieu peut utiliser n'importe quel matériel pour dégager sa puissance. Et on va voir des références dans la parole. Et toutes ces choses, selon 1 Corinthiens 10, verset 11, 1 Corinthiens 10, 11, nous ont été écrits et comment pour nous servir à tant qu'exemple. Tobandina, 1 Corinthiens, 2 rois, s'il te plaît, 2 rois, chapitre 2, partie verset 8. C'est là où on a tiré le mot manteau. Et ce qu'on a dit aussi, l'iloboto bengi manteau. Alléluia. Amen. Deux rois. Deux rois, chapitre 2, verset 8. Yeah. Version d'Arbi, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Et Élie prit son manteau et le plia et frappa les eaux. Voilà. Et se divisèrent de ça et de là. Et ils passèrent eux deux à sec. Alléluia. Lingala. Élie a longoli kazakanaye. Alingi yango pe abeti yango na mai. Bongo mai e kaboni pe bango mibale bakati si na makolo. Oyoki makambo Bible lobi Eli a pris son manteau. Li azwaki elamba na ye. Il a pris son manteau. Azwaki manteau na ye. Eskato zui mo wana manteau yango wana. C'est ici que nous avons tiré ce vocabulaire manteau. N'importe quel matériel. La puissance de Dieu peut demeurer sur n'importe quel matériel. Tu continues. Verset 9. Et il arriva, quand ils eurent passé, qu'Élie dit à Élisée, demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée dit, qu'il aille, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Tango bakomi na ngambo Elia alobi na Élisée. Senga eloko olingi na sala pona yo liboso te Yawe alongola ngai pene pene na yo. Maintenant na telemia wanano. Nazoki liva se wit. Et Élie prit son manteau et le plia. Et frappa les eaux et elle se divisait de ça et de là. Et il passait et deux à sec. Papa, bien aimé. Maman, Oyo, miracle extraordinaire. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Moutou Azoui, ok, si c'est comme ça, les lots, tu as posé à Babato, les sous-titres, qui, Moutou Yon Sokaka, à Kamadi Mantonae, à Komina Mai, à Linga Katsana Brazzaville, à Komika Awana, à Zoui Mantonae, Iwa. Bateau est cause à la terre. Si c'était ainsi pour tout le monde, il n'y aurait pas de bateau, il n'y aurait pas de pirogue. Alléluia. Amen. Mutunyosote. Ce n'est pas n'importe qui. Mais Oyo. Mais celui-ci. Et talisino que manteau wana. Nous montre que ce manteau-là. Zalaki na contamination na eloko. Était contaminé par quelque chose. Uguya wana moko elati manteau wana. Il y avait une puissance qui avait revêtu. Quand il a frappé. Mai kabwani. L'eau s'est divisée Mai en deux. Mai a senti nguya. Ya mokeli na ye. L'eau a senti la puissance de son créateur. Uguya wana. Et petit mail. Cette puissance a touché nous. Ta manteau, tant qu'on va frapper mail. Par le manteau quand Élie avait frappé. C'est pour te dire. Il y a une puissance. Et Zali Nanguya Moko. Oyo ezana manteau wana. Qui était dans ce manteau-là. Tant qu'on va frapper mail. Quand il a frappé les eaux. Maya Kabwani. L'eau s'est séparée en deux. Ando. Bien aimé. Olingami. Nguya ya Zambe. La puissance de Dieu. Eko kiko reposé. Eko eko vanda. L'icolo ya matériel. Sur un matériel physique. Aton dimingate ko crucifié ngai nanote. Tikana silisa oko ma converti. Même si vous ne croyez pas en ce que je dis, ne me crucifiez pas encore. Laisse-moi attendre la fin, tu comprendras. Exemple mususu ya ngwana na misu na yo na Nouveau Testament. Moi si écoulement de sang de 12 ans. Un autre exemple dans le Nouveau Testament, la femme qui avait l'écoulement des sangs. Azo Bibzamakila, 12 ans. 12 ans durant, elle avait l'écoulement des sangs. Azo Kede, il paye à bas médecin Nyonso.
Elle partait chez tous les médecins qu'elle pouvait rencontrer. Bongo, elle avait tout dépensé en bien. Sans solution. À soi qui lui tombait. Mais moto mukolo ayeko simba songe ya manto ya Yesu. Le jour où il a touché le pont de la robe de Christ, sans protocole, la puissance de Dieu. À l'instant, l'écoulement de sang est catané. L'écoulement de sang, c'est ça. C'est ce qu'on peut dire, power. Power. Bouya. Power est coti. La puissance a pénétré en elle. L'écoulement de sang est catané. L'écoulement de sang s'est arrêté instantanément. Molingami. Bouya. Et qu'on contamine matériel. La puissance de Dieu peut contaminer n'importe quel matériel. On peut bénir matériel sangolo. N'importe quel matériel. Et comme contaminé nanguya. Et il devient contaminé. À tout moment. Nangonga nioso. Tango pasteur na ou n'importe qui a disponible au coco utilisé en comme point de contact. Quand ton pasteur n'est pas là. Zambe a manifesté na makamuna. Utilise-les, Dieu se manifestera en ta faveur. Alléluia. Amen. La puissance Nguya de Dieu Zambé reste et vandaka sur les matériels. Yango tomona ki awa. C'est ce que nous avons vu ici. Élie prit son manteau. Élie a soit qui est en bas. Et le plia. Angumbi et frappa les eaux. A bambi angoli kolama. Et cette vis. Yango e kaboni. De ça et de là. Nami balé. Et il passe. Bongo bongo balé. Un deux. Bango mi balé. À sec. Na mabele a koka oka. Continue la lecture. Verset 10. Et tu dis, tu as demandé. Et il dit. Et il dit, tu as demandé une chose difficile. Uh-huh. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, oui. Il en sera ainsi pour toi. Uh-huh. Sinon, cela ne sera pas. Elia alobi, osengi ngai likambo moko ya pasi. Soki omoni ngai tango yawe akolongola ngai pene pene na yo, okozwa yango. Kasi soki omoni ngai te, okozwa yango pe te. Uh-huh. Verset 11. Et il arriva comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Tango bazalaki ko tambola pe ko solola na mbala moko charrette ya moto na bapunda ya moto eyei ko kabola bango pe mo pepe makasi e matisi Elia na likolo. Verset 12. Et Élisée le vit et s'écria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces. Verset 12. Tango Élisée a moni boye, a gangi, tata nangai, tata nangai, makasi na biso ekei. Ozalaki po na Israël loko la bachereti pe bapunda ya etumba. Pe Élisée a moni elisusute, a pasoli bilamba na ye, na biteni mibale po na mawa. Verset 13. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui. Et s'en retourna et s'éteint sur le bord du Jourdain. Bongo alokoti kazaka ya Elia oyo ekueyaki azongi pe akei ko telema pembeni ya Jordan. Nakati ya Jordan. Pause. Hallelujah. Amen. Balandi. Bien-aimé. Eli tango balbakati samai na disciple na ye Élisée. Quand il voulait traverser le bateau, Jourdain avec son disciple, il n'y avait pas de navire. Pirogue aucune pirogue. Na monsieur Élisée. Aux yeux, à la vue d'Élisée. Maître Élie. Son maître Élie. A, e, a pris son manteau. Neti veste nangai. Tel que ma veste. A bimisi. Il a enlevé. A frappé mai. Il en frappa les os. Tango a frappé mai. Quand il a frappé l'eau, et l'eau s'est divisée en deux. Ils ont traversé. Élie, enlèvement essuyé. Élie fut enlevé. Okay. Il s'en est allé. Mais à ce qui concerne Maloba, ce qui est mon disciple, Élisée, ce qui est mon tango na kozala enlevé, kozala double et pas collable. Élisée paie à mon. Il avait déjà instruit à Élisée, si tu me vois
Au moment où je serai enlevé, tu recevras la double onction. Quand l'enlèvement l'a pris, Elie a mati. Elie est monté. Et ses vêtements sont tombés. Ça, c'est témoin Yaliboso que enlèvement Yamibale que enlèvement est réel. C'est le deuxième témoin de la Bible pour nous dire que l'enlèvement est bel et bien réel. Yaliboso Azaraki enlevé, c'était Enoch. Le premier à être enlevé, c'était Enoch. Deuxième, Elie. Et le deuxième, c'est Elie. Troisième, Jésus. Et Amisato, Yesu. Chiffre à perfection. Le chiffre de la perfection. So, tango Elie a mati. Quand Elie est monté, Mantonae, Yosu alati ekoinase. Tout ce qu'il avait dessus lui sont tombés. Ça dit mukolo enlèvement. Le jour de l'enlèvement, tu n'auras même plus besoin de ces vêtements. Les bijoux, les montres qui coûtent cher resteront. Elie est parti. Les manteaux est tombé. Élisée l'a ramassé. Il devait rentrer à la maison. Ils étaient venus ensemble. Son maître est parti, il est resté. Je prie pour toi, même si Christ revient, tu ne resteras pas au nom de Jésus. Élisée a repris le manteau. Élisée a repris le manteau d'Élie. Il a déchiré son manteau. Il a pris celui d'Élie. Il l'a mis sur son corps. Arrivé devant le fleuve, il devait rentrer à la maison. Ni pirogue ni bateau. Il avait vu quand il traversait. Son maître a pris le manteau. Il en frappa les eaux. L'eau s'est divisée en deux. Ils ont traversé au sec. Lui aussi est arrivé au bord du fleuve. Suivez ce que dit le verset 14. Voilà. Verset 13. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et s'en retourna et s'éteint sur le bord du Jourdain. 14. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux et se divisèrent de ça et de là, et Élisée passa. Bongo à l'okoti kazaka Élie a oyekoyaki azongi pe akei kotelema pembeni ya Jordan. 14. Akamati kazaka ya Elia abeti yango na mai pe alobi: wapi Yawe Nzambe ya Elia? Tango abeti kazaka na mai, mai ekabwani, bongo akatisi ngambo. Tango abeti kazaka ya Elia, mai pe ezali nini? Ekabwani. Pona Elize denge ekabwani pona ekabwana ki pona Elia ekabwani pona Elize. Dès que l'eau s'était divisée pour Elie, il en était de même aussi pour son serviteur Elize. Cette fois-ci, Elie azala kite Elize kakande atikali. Et cette fois, Elie n'était pas là, Elize était seul. Mais eloko moko ewuti na nzoto ya Elia. Mais quelque chose qui tombait du corps d'Elie etikali na Elize. Et que Élisée s'en était kazaka emparé. Son manteau. Élisée a joué kazaka ya Elia. Élisée a pris le manteau d'Elie. Parce que Elia aza mutu ya ipakolami ya Zambe. Puisque Elie était un homme loin de l'Éternel. So unguya ya Zambe. La puissance de Dieu. Na vie ya Elia. Dans la vie d'Elie. Etikali na kazaka nae. Était resté sur son manteau. Parce que Élisée a kamati kazaka ya ye Élisée a kabula maite no azui kaka kazaka ya Elia. Élisée n'a pas pris son propre manteau mais celui d'Elie. Mais Elie a zate physiquement. Mais Elie physiquement n'était pas là. Il s'en est allé. Mais qu'est-ce qui était resté? Zambe. La puissance de Dieu. Likolo ya Elia. Sur Elie. Etikali na kazaka. Était resté sur son manteau. Denge kabwani tangu bazo katsa. Dès que l'eau s'est divisée quand il traversait. Aussi de même pour Élisée au retour. Lui aussi l'a traversé. Je viens prophétiser sur toi. Au travers de son manteau. Que tout blocage soit débloqué. Que les mers soient divisées. Que les situations difficiles disparaissent. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus entend de dire? La puissance de Dieu peut reposer. Sur n'importe quel matériel. Elie a accueilli. Elie était parti. Mais l'onction, Azambe, mais l'onction de Dieu était restée sur son manteau. Amen.
Élisée a dit qu'il n'y a pas. Élisée, il avait la puissance. Ça, c'est un preuve. Que la puissance de Dieu peut contaminer n'importe quel matériel. Voilà pourquoi les vrais oints de Dieu, tout ce qu'ils utilisent, sont inondés de la puissance de Dieu. Tel que je me tiens sur cette chair, elle est inondée. Tout ce que je mets sur moi est contaminé. Je me rappelle, dans un salam, le loulou. Je me rappelle, j'avais une manifestation à l'église. Il y avait nombreuses personnes, une foule nombreuse à l'extérieur. Il y avait une de nos mamans qui avait invité une amie. Chaque mois, elle était régulièrement malade, elle devait aller en Afrique du Sud pour des soins. Chaque mois. Chaque mois. Vous voyez d'abord le billet. L'hôtel. L'hôtel. L'hôpital. Les soins. T'as la dépense. Voyez un peu toutes ces dépenses. Elle était venue à cette manifestation. Il y avait une grande soucis. Elle ne pouvait pas accéder. Qu'est-ce qu'elle a fait? À Salinini. Et l'autre m'a dit, mais ça c'est son, sa voiture. Quelque chose lui a dit, mais oh, Moutouka, c'est la voiture du serviteur de Dieu. Elle s'est décidée de toucher le véhicule même si elle ne pouvait pas en entrer. En pleine prédication. Elle, à l'extérieur, a touché le véhicule. La puissance de Dieu l'a projetée. Jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans le caniveau. Moi, je ne savais rien. Quand elle serrait les bras, après les cultes, on est parti. Arrivé à la maison, elle appelait celle qui l'avait invité. Yaka, un miracle s'est opéré dans ma vie. Yaka Otala, viens voir. Elle s'est dénudée et disparaît. Ce qui l'opprimait a disparu. Oppression, cette oppression était terminée. C'est pour dire la puissance de Dieu sur son oint, l'onction son serviteur était sur la voiture du serviteur. Dieu peut contaminer n'importe quel matériel na nguyana. Nzamba aussi mais loko nyonso na nguyana ye. Elie azalaki lisusute. Elie n'était plus. Mais son manteau était resté. Dès qu'il a frappé les eaux pour qu'il traverse, il a frappé les eaux. L'eau s'est divisée. Malgré qu'il a accueilli, bien qu'il est parti, Élisée de même a pris ce même manteau, a frappé les eaux. L'eau s'est divisée. C'est pour dire la puissance de Dieu peut rester sur n'importe quel matériel. Ça, c'est référence à l'Ibosso. Ça, c'est la première référence. Donc, il y a Exode. Allons-y. À propos à Moïse. Dans le livre d'Exode. Aaron. En ce qui concerne Moïse et Aaron. Alléluia. Zambé a contaminé. Dieu a contaminé. Bâton wana nanguya. Ce bâton de sa puissance. Et commis instrument de signes et de prodiges. Et commis et l'or à Osei la Bikamwa. Alléluia. Amen. Pour nakutali sayoke. Pour te montrer que. N'importe quel matériel. La puissance de Dieu peut contaminer n'importe quel matériel. Yango to benyango mystère de manteau. Le manteau, c'était le manteau d'Eli. Mais manteau est quelque chose à n'importe quoi. Mais à ce jour, cela peut constituer n'importe quoi. Neti, par exemple, nzete ya Moïse. À l'exemple de la verge de Moïse. Et comme manteau ya nguya ya signes et des prodiges. Il a été utilisé comme manteau pour les signes et des prodiges. Exode. Chapitre 4. Nous allons lire Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. À partir verset 1er. Et Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas. Et Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Car ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il dit, une verge. Verset 3. Et il dit, jette-la à terre. Et il la jeta à terre et elle devint un serpent
Et Moïse fuyait devant lui. Talana nos questions. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce que Zabik a koloba wakabik et wananase. Son guyazambe ko contamine n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce qui n'attend pas dans la bique dans ma boucle tout ça, dans la bique, à boire qui, car des yomoko, guyazambe ko contamine. Mais azaki na bâton. Moïse a zongi seli Yahweh lingala. Kasi ba Israélites ba kondime langa ite. Voilà. Pe ba koyoke langa ite. Tango zambe atini yake no kangu la bana nae. Azana besoin assurance. Oye ko sala ke bandi make atina mina zambe. So zambe meno Dieu alinga assuré. Voulez l'assurer. Albi ozana nini na maboko. Qu'as-tu dans ta main? Nazana nzete. Bâton. Bwaka na se. Yepe abwaki. E baluki yo karamis nae. Simana kila asimbi ezongeli baton. Moïse kakande amoni bikamwa wana. Tango yonso ba telemisi baton wana. A chaque fois qu'on levait ses bâtons, il savait. Mbuya zambe e kokule. La puissance de Dieu va couler. Ah. Verset 2. Bongo yawe atunie. Eloko nini ozali na yango na liboko. Moïse azongisi. Nzete oyo na tambola kana yango. Okay. Zambe te abwake li nzete. Nzete oyo ya tambola. Comme toi aussi. Eloko yonso simbi kaka wana. Et qu'on cause la contaminée n'anguya zambe. Même dès que vous allez na minute oyo. Tel que tu es là, n'importe quoi que tu touches, tel que tu me suis, peut être contaminé par la puissance. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est la question va poser Moïse à moi. Ozana nini na loboko. Ce qui a dans le téléphone na maboko net biso lelo. Abi, ok. Ce téléphone na yo e cause la contaminée n'anguya zambe. Même ton téléphone peut être contaminé de la puissance de Dieu. Bilamba, mouchoir, des vêtements. Yonso, tout big, tout Yonso. Question Esa Polele, qu'est-ce que tu as dans ta main? La question mon Dieu est peut claire. Contaminer n'importe quel matériel. Zambe nanga koko simbali eloko Yonso nanguya na ye. Verset 3. Yahweh alobi, bwaka yango na mabele, Moïse pe abwaki yango, nzete ebongwami nyoka. Bongo Moïse Akimi. Verset 4. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit sa main et le saisit. Et il devint une verge dans sa main. Lingala. Kasi Yahweh alobi na ye. Simba yango na mokila. Moïse a simbi yango. Nyoka ezongi nzete na liboko na ye. Atayo mokosoki oza Moïse. Mets-toi à la place de Moïse. À chaque fois que tu toucheras à cette verge, Amen. Tu auras une foi folle, sachant que ce que je tiens, c'est une puissance. Or, c'était ta propre verge. Mais tu as vu comment elle a changé. Tu as vu retourner. À chaque fois que tu tiendras, toi-même tu sauras que tu tiens quelque chose d'autre. Lelo, aujourd'hui, mon Dieu contaminera n'importe quel matériel que tu présentes devant moi. Que je te dis ce que tu m'as dit aujourd'hui. Amen. Il y aura de ceux qui seront touchés par la puissance de Dieu dans leur maison. J'ai déjà dit ce que tu m'as dit. La puissance de Dieu te traversera. Mets courant. Comme tu ne comprendras rien. Nombreux d'entre vous êtes à ton salon. Et tu appelleras pour donner le témoignage. Je l'ai dit avant que ça arrive. Je l'ai prophétisé. Et Dieu m'a dit cela. Benzamba lobi nanga bongo. Afin que tu saches que ce que nous disons, c'est la parole de Dieu à notre imagination. Alléluia. Amen. Tata Moïse Akimi. Moïse a fui. Mettez-vous à sa place. Ton bâton c'est comme tu fais. Après balobi zonga. Yango wana ezo baluka za shi. Zonga. Retourne. Zonga. Retourne. Na zonga. Olobi nini? Que dis-tu papa? Olobi zonga. Je dis rentre. Olobi nini? Ngana simba. Je touche ces serpents. Simba wapi? Na mukila. Ngai. Moi. Mukila. Ekozo anga ite. Parce que tata ya bato akimi.
Il avait fui. Il était effrayé. Yaye moko. Son propre bâton. Simba namkla. Na simba namkla. Makambozo tanga yo eza théâtre mobimba. C'était tout un scénario. Yo kaise ke ka bala moko ya simi. Tu penses que c'est spontanément? Mettez-vous à sa place. Et loko zo sala bo nya nya nya. Un bâton qui s'échange en serpent et tu le vois devant toi. Tu vas toucher facilement. Simba. Papa Moïse, touche. Azui courage. Mina toka ngufu. Natangwana azoto. Atayo okotoka ndeko. Okotoka. Si c'était toi, peut-être même tu n'allais pas rentrer pour toucher. Mutema ezo beta. Ton cœur va battre à 100 à l'heure. Combien de vous beaucoup simba nyoka? Si c'était d'abord un serpent normal, combien allait toucher? Ce qui maintenant, et le côté le besoin et baluki yoka na katia ndaku na mbazi, il aura des catastrophes, scandale. Bamuzu ba kokatana. Bamuzu ba komona, azana sitia meja apumwe na se. Parce que mutuna mutu azana eloko ya ye, et baluka na banyoka na katia salon na katia nda. Bamuzu ba kolala tena ndaku na akweko lala libanda na nare. My God. Mes amis, aboyant les lois à l'objet, nous ne marchons pas parce que nous voyons. Nous marchons par la foi. Amen. Et le quoi, teke, pamboulami, par la foi. Les amis, sous, et le quoi, pambate, et comme contaminé dans Gouyazam. Ce n'est plus un matériel ordinaire. Il est souka, souka. Contaminé. Moïse a simbi. Afin de quand il a pris courage, il a touché. Bakarabo, et baluki, et zogi, juste quand il a touché le serpent, s'est changé en bâton. Power. Avec cela, tu feras des signes miraculeux. Na simanzamba lobi na enanze te wana okosala bilembo baby kamwa. Bande kulangai. Bien aimé. Balandioso. Tous les téléspectateurs. Je viens vous dire. Zambe wana. C'est Dieu là. N'a pas encore changé. Azana makoki. Il a le pouvoir de contaminer n'importe quoi par sa puissance. Continuez avec Dieu. Exode chapitre 4, nous reprenons le verset 4. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit sa main et le saisit, et il devint une verge dans sa main. 5. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Voilà. 5. Yahweh alobi. Merci, merci na kato wana. Tanga. Okosa la ndenge wana po na ba Israelite bandimate. Ngai na bimela kiyo. Ngai nzambe ya bakoko na bango. Nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, pe ya Jacob, pe lelo, nzambe ya Dayo Samuel. Alléluia, merci papa. Oso mona. Vous voyez? Maintenant, bâton na yezongi. Son bâton redevint à la normale. Avançons rapidement. Parce que tout le mystère de manteau. Nous voyons le mystère de manteau. Nous avons vu le manteau d'Élie contaminé de la puissance de Dieu. Ok. Tokeina 17, verset 17. Verset 17. Et tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Encore? Et tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Encore? Et tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alobi, tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Est-ce que alobi signe moko ou bien pluriel? Pluriel. Pluriel. Vierge wana oyo komi yoka ebaluke zongi baton abin nanzela ngo kosala basin miraculeuse version moko elobi je crois version semeur lingala verset 17 okozala kosimba lisusu nzete oyo na liboko pona kosala na yango makamwisi. Makamwisi en pluriel makamwisi eloko ezo kamwisa ce qui étonne.
C'est pour dire ils étaient à Moïse, yaye mon corps. Son propre bâton. Maintenant, ils allaient se soupambater. Il n'était plus un simple bâton. Contaminé. Il était désormais contaminé par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Lelo. Aujourd'hui, je prie. Tout matériel au présenté devant Dieu. Tout matériel que tu présentes devant Dieu. Parce que mon Dieu est omniprésent. Tu es en Europe, Azanayo. Tu es en Europe, il est là avec toi. Azanayo na pulaim. Dengozawa na Belgique, Azanayo na Belgique. Dengozawa na Nafari, Azanayo na. Atozana États-Unis, Asie. Place yo zozana se amoi. Il s'appelle le Dieu omniprésent. Yene nzambe oyo azalaka esika nyonso. Na sambeli nyonso zo présenter. Ezala contaminé na kuya ya Zambe au nom de Jésus. Et avec cette manteau et Pélé Nabino pour vivre des signes et des prodiges. Nombreux d'entre vous vivront des signes et des prodiges par ce manteau. Continuez. Version Semeur. Oui, version Semeur. Oui. Tu prendras ces bâtons en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Avec celui-là. Celui-là, c'est quoi? Votre manteau-là. Yes. Tu accompliras des signes miraculeux. Vivre des signes miraculeux. Amen. Et vivre des miracles extraordinaires. Amen. Nanzelaya manteau. Manteau, c'est quoi? Matériel qui est contaminé dans Kouya ya Zambé. Comme manteau ya Elia, comme bâton ya Moïse. Qu'appelons-nous manteau? C'est tout matériel physique qui peut être contaminé par la puissance de Dieu. Ça, c'est deuxième référence. Oui, Zalinda qui ça y a mis balé. Y a liboso, la kazaka ya Elia. Le manteau d'Elie. Y a mis balé. Le deuxième. Zete ya Moïse. La verge de Moïse. Avec ça, Nayango, tu feras des signes miraculeux. Okosala makamu ici. Troisième référence. Y a mis Sato. Deux rois 13. Deux rois. Verset 13. Dans le livre de Deux Rois, verset 13. On a amené un cadavre pour l'inhumer. Ils ont entendu des bruits. Et sous cette précipitation-là, sous cette peur-là, ils ont entendu des bruits. Élisée. On a pris le cadavre et on l'a jeté dans la tombe d'Élisée qui était mort une année passée. Il venait de mourir il y a une année. Disciple ya Elia. Lui le disciple d'Élie. Oyazui ipakolami double ipakolami kouta ipa Elia. Qui avait reçu la double portion d'onction venant d'Élie. Témoignage yo. Ce témoignage nous prouve qu'il avait reçu la double portion de l'onction. Malgré qu'il année, bien qu'il était mort une année passée. Vous savez que les insectes vont ronger la chair. Mais les os restent. Dès que le cadavre avait touché l'ossement d'Élisée, il fut ressuscité, il s'est levé. Élisée a koufa une année. Élisée était déjà mort il y a une année. Les insectes ont rongé la chair. Il n'y avait que les os. Mais la puissance, double onction, cette double onction demeurait encore dans les eaux. C'est pour dire la puissance de Dieu peut reposer sur un matériel physique. Est-ce que vous avez dit ma troisième référence? Est-ce que vous croyez en cette troisième référence? Premier manteau à Elia. La première référence, deuxième, c'est le manteau d'Elie. À Moïse. La verge de Moïse. Troisième, mais quoi y a Élisée? Les eaux d'Élisée. Et Tikali Nanguya. Qui avait encore et la puissance de Dieu. Et qui a ressuscité un cadavre. Allons-y, lecture. Deux rois, chapitre 13, verset 20, version d'Arbi. J'ai dit au nom de Jésus. Et Élisée mourut et on l'enterra. Et des troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. 21. Et il arriva que, comme on enterrait un homme... S'il vous plaît,
Verset 14. Tozongile bate 14. Verset 14. Deux rois 13, 14. Deux rois, chapitre 13, après verset 14. 20-21. Et Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit: Mon père, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Lingala. Élisée a su malade oyo a koufela na yango. Bongo Joas, mokonzi ya Israël, aye epa na ye abandi kolela boye. Tata nangai, tata nangai. Makasi na biso ekei. Ozale ki pona Israël lokola ba chareti pe ba punda ya etumba. Verset 20. Et Élisée mourut et on l'enterra. Et les troupes de Moab entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Verset 20. Élisée a koufa ki pe ba kunda ki ye. Na ebandeli ya mbula nyoso ma Mangomba ya ba miibi ezalaki kouta na Moab pe kokota na Israël. Mangomba ya ba miibi. Verset 21. Et il arriva que, comme on enterrait un homme, voici, on vit venir la troupe et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Mokolo moko bato bazalaki kokende kokunda ebembe. Bakomi epai ya mabanga esika libulu oyo bakundaki Élisée ezalaki. Na mbala moko bamoni lingomba moko ya bamiyibi wana. Bongo babwaki ebembe yango na kati ya libulu ya cimetière ya Élisée pe bakimi na bango. Kaka na tango ebembe etuti mikuwa ya Élisée, moto yango azongi na bomoi pe azongi na bomoi atelemi. Kaka tango ebembe pa avant tango ebembe atuti mikuwa ya Élisée contact et salami parce que na mikuwa ya Élisée ipakolami ya zambe likolo na ye etikali nguya zambe etikali tango ebembe etuti mikuwa ya Élisée contact et salami ebembe asekwi juste au moment où le cadavre a touché les os d'Élisée instantanément il y a eu un miracle nguya zambe ekoki kotikala likolo ya matériel. La puissance de Dieu peut demeurer dans un matériel. Vous avez vu là le manteau d'Élie, bâton ya Moïse, le bâton de Moïse. Maintenant, mais quoi ya Élisée. Et là, nous voyons les eaux d'Élisée. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant que exemple. On sait comment mi poza la ndaki sapona biso. Maintenant, toke na Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Na lingion di make nguya ya zambe ekoko rester lipolo na n'importe quel matériel. J'aimerais que tu crois que la puissance de Dieu peut rester sur n'importe quel matériel. C'est pas à tout moment que okomona pasteur na yo aza disponible. Ce n'est pas à tout moment que ton pasteur sera disponible. Mais quand tu as cette révélation, kasi soki ozana oyebi makambo, tu peux seulement prendre ton manteau. Okoki ozo manteau na yo. Okomona visitation divine. Et tu vivras la visitation divine. Voilà. Tangi Matthieu 14, dernier verset, avant dernier verset et dernier verset. Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, verset 35 et 36. Et les hommes de ces lieux-là, l'ayant reconnu, envoyèrent dans tous les pays d'alentour et on lui apporta tous ceux qui se portaient mal. Mal. Verset 35. Bato wana bayebaki Yesu kala. Bongo tango bamoni ye bapandi sango bipai nyoso pe bamemeli ye bato nyoso ya maladi. 36. Et il les priait de les laisser toucher seulement le bord de sa robe. Et tous ceux qui les touchèrent furent complètement guéris. Babondeli apesa bango nzela ya kosimba ata songe ya nzambala na ye. Pe bato nyonso oyo bazalaki kosimba ye babandaki kobika. Babandaki kosala nini? Basimbi nzoto na ye. Te Biblia elobi basimbi
bilamba songe yoka abakisa lobi songe ya bilamba na juste le bout de son vêtement batu yoso basi mi songe ya bilamba na baba ndiko sala nini kobika sadi nguya ya zambe eso traverser bilamba wana eso kote la bangona nzoto bazobika. La puissance de Dieu traversait son manteau et pénétrait en eux et il guérissait. Son matériel est cause la conducteur yanguya. Et le matériel peut être un conducteur, un canal de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons lire encore. A par exemple, moi si on a zo bimsa écoulement de sang, tout le monde en connaît Matthieu chapitre 9, verset 20. Yé a belaki 12 ans, ma maladie, y a écoulement de sang sans solution. Mais beaucoup l'ont assimilé songe, nguya et traversé bilamba et côté lié nanzoto a bixami. Pour nous confirmer encore que la puissance de Dieu peut contaminer n'importe quel. Matériel. Nous verrons encore cet exemple. La femme qui avait l'écoulement du sang, elle a touché le pont de la robe de Jésus et elle fut guérie pour confirmer Matthieu 9, la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 35, version parole de vie. Les gens de cet endroit reconnaissent Jésus. Dans toute la région, ils vont dire que Jésus est là. On lui amène tous les malades. Francis, on supplie Jésus. Laisse-le toucher seulement les bords de ton vêtement. Et tous ceux qui le touchent sont guéris. Combien? Tous ceux qui le touchent sont Combien? Guéris. Combien? Tous ceux qui le touchent. Tous ceux qui le touchent sont sans guéris. Sans exception. Amen. Versions le livre. Ceux-ci suppliaient Jésus de leur permettre de toucher rien que les bords de son manteau. Et tout ce qui les firent furent guéris. Batuyoso basimi, babikisami. Batuyoso. Bien-aimé. Je viens te dire, la puissance de Dieu peut contaminer n'importe quel matériel. Ça, c'est la vérité, je te dis. Là où tu me suis maintenant, je suis venu pour te dire, la puissance de mon Dieu touche n'importe quel matériel que tu présentes. Et ça, visitation surnaturelle dans la vie. Il y aura visitation surnaturelle dans ta vie. Jésus est réel. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Alléluia. Totangi, aussi Luc chapitre 8. Noki. À propos à moi si Oyazo Bibisa écoulement de sang. Lisons rapidement Luc chapitre 8. À partir du verset 43. Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Oui. 43. Luc chapitre 8 verset 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Version Darby. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui ayant dépensé tout son bien en médecin n'avait pu être guérie par aucun. Oui. 44. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement et à l'instant sa perte de sang s'arrêta. À l'instant. Balamoko. Nguya est traversé le matériel. La puissance a traversé le matériel. Vous avez référence sur ce que vous voyez toutes les références. Toutes ces choses sont écrites. Pour nous servir à tant qu'exemple. Ezalanda qui s'appelle Nabiso. Continuez. Lingala. Moi si moko a telemaki wana azalaki na maladi ya kobi mamakila. Asalimbula zomi na mibale. Abebi saki mbongo na ye nyonso epa ya baminganga. Denge yo pe osi obebi si mbongo epa ya baminganga na lobite ke bamimba bazama be. E parfois ezo simbate. Kote kuna. Soki osali nyonso. Aligo ya kote ya Yesu. Continue. Kasi ata moto moko te akokaki kobikisa ye. 44. Aye na sima ya Yesu pe asimbi ye na songe ya elamba. Oui. Na mbala moko.
Makila etiki kotanga. Lelo na sakoli na balamoko yoso eza maladi, yoso eza oppression et disparaître dans zela service ya matoyo. Na kombo na Yesu Masia. Aha. Na balamoko makila etiki kotanga, maladi esili. Esili. 45. Et Jésus dit: qu'est-ce qui m'a touché? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui: Maître, les foules te serrent et te pressent. Et tu dis: qu'est-ce qui m'a touché? 45 lingala. Bongo Yesu atuni, nani asimbi ngai? Bon, bango nyonso ba lobi na ye, ba wangani, kasi Pierre a lobi, motei. Ezalika kabato oyo batie yo na katikati pe bazali kokanga manayo. 46. Et Jésus dit: quelqu'un m'a touché. Car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. Tous oyo eza différent. Tous oyo e bendingu ya ngone Yesu azoloba. Bango bazokanisa ba multitude pemeni na ye. Non. Kalingala. Lingala 46. Kasi Yesu azongisi: moto moko asimbi ngai, pe na ye koyeba ete nguya na ngai esali mosala. Oh, oh my God. Moto asimbi ngai. Quelqu'un m'a touché. Eh, Bible lobi ke asingi songe ya bilamba. Elle a touché le bout. Mais ya ye koyeba ke nguya na ngai esali mosala. Le lokuya ya Yesu Masia ezo sala mosala. Amen. Na lobi ezo sala mosala na vina. Amen. Na ndaku na yo, na bana na yo, na mosala na yo, yamba yango na komo na Yesu Masia. Je reçois. Amen. La puissance de Dieu peut contaminer n'importe quel matériel. Oui, nzambe ko simba eloko nyonso. Maintenant, on peut discuter de l'in ça. Qu'est-ce que tu vas contester? 1 Corinthiens 10, 11 à l'objet. 1 Corinthiens 10, 11 dit: toutes ces choses que nous lisons sont écrites pour nous servir. Pour être là. Il a dit: ce qu'il a fait, nous en ferons même plus grand que ça. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. À l'époque de Christ, il n'y avait pas de téléviseur. iPad est athée. Il n'y avait pas d'iPad. Laptop est athée. Il n'y avait pas d'ordinateur. Téléphone est athée. Il n'y avait pas de téléphone. Yo, so, so, itize, ko, la, nanga, na, minute, tout ce que tu utilises pour me suivre. Ouya, ya, mo, libo, mo, santu, la puissance du Saint-Esprit. Et ça passe sur l'écran. Mais pénétrer sur côté là. Pénétrer là où tu es. Come on. Alléluia. Amen. Mambo shidebe. Et ça, les lotes dans la salle, ils ont un téléphone. Papa dit délivrance. Ouya, azo gang. Nazo. Téléphone, c'est quoi, il y a un téléphone. Mais il y a un téléphone manifesté. Mutoasia kenda ngana zawa ono na continue na pameli demon wana ebiba na telephone cible partout na Etats-Unis na Europe et salem bala na bala. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prier pour les gens par téléphone plusieurs années passées et la puissance de Dieu s'est manifeste. Et là il y a une dame azo lananga aza paralysé aitaka beki mi balé atambula kati sans beki na ndaku azo lananga tango lilo pazo yoka etutie abandiko kuluma na seti asimbi telephone television deke asimbi boye waza be koteli atelemi akomi kotambola sambeki. Come on. Batu bamoni na balabala balobi qu'est-ce qui se passe? Alobi pastor wana, pastor wana babeki bazo tetu la monene ya zambe na Londres, s'il vous plaît, Londres. Quelques années passées, une dame à Londres qui était paralysée, pendant que j'étais en train de prêcher, le message passé à la télé, elle a pris foi, elle a rampé, elle a touché l'écran, et juste après avoir touché, elle fut complètement guérie. Yokangai. Écoute-moi. Dans Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres. Dans chapitre 19. Au chapitre 19. Tangapunang a passé 11 ou 12. Lisons rapidement Actes des Apôtres. Bible et l'obinini. Que dit la Bible, verset 11 et 12. Verset 11. A faisait, hein? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. De sorte que. Amen. Voilà, continuez. De sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes. Yoka, yoka, bayena ba mouchoir, bayena ba tablier, banini, baye kosimba zotu ya Paul. Lelo. Commence. Simba, Amen. Okay.
ils ont traversé l'écran, ils ont la téléphone, il y a iPad, il y a Internet, il y a la télévision. Ils ont traversé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Tant que Simbi, Mouyazambe est contaminé par Mantouana. C'est ça, papa. Parce que nous sommes là. Verset 12. De sorte que même on portait de dessus son corps oui. des mouchoirs oui. et des tabliers sur les infirmes. Oui. Et les maladies les quittaient oui. et les esprits malins sortaient. Ba melimo mabe ba kimi et ba maladie ba kimi ba bikisami. Yo pe na minute yo na legio swa eloko yo so. Ozo présenter tes mon Dieu comme manteau. Olingingu ya zambe contaminé. Tel tombola go simango na maboko na. Élève ton manteau, moi j'étends mes mains vers les et dès que j'ai je commence à prier. Téléphone, télévision ou laptop yo placé en go. Toi tu dois les placer. Et puis y'a zambé zo traversé. Et la piste de Dieu traversé. Si vous êtes nombreux. O simbi moutou, a simbi écran, o simbi épée, na manto na sima, wana pe a simbi kabongo. Il y aura dégagement total. Kouye a zambé. La puissance de Dieu. Pénétra au nom de Jésus. Na pombo na Yesu. To sabeli. Prions. Sois biloko yosu. Père, au nom de Jésus, Nathélemi. Je me tiens au nom de Jésus, Père. J'ai prêché ta parole. Non, ma parole. C'est ta parole authentique que j'ai prêchée. Tu as dit toutes ces choses que nous avions lues, nous avions entendues, sont écrites pour nous servir d'exemple, référence. Voilà pourquoi. Je confie tous les bien-aimés qui agissent en conséquence. Dès qu'ils touchent écran, l'écran avec tout matériel qu'ils présentent devant toi maintenant, je demande que ta puissance traverse cet écran, traverse ce matériel, traverse eux-mêmes. Reçois le nom de Jésus. Reçois l'écoulement. Yamba écoulement. Reçois l'écoulement. Yamba. Je déclare matériel na yo et pambolami. Je déclare que matériel est béni. Je déclare matériel wana est contaminé. Ce matériel est contaminé. Yamba yamolimo mosan. Par la puissance de Saint-Esprit. Reçois. Yamba. Et kalaba chante le bebo. Yes. Et kalaba chante palakato. Amen. Et kaluba kayate gede. Amen. Et korika palakato soprodia. Yes. Et ruba shalamayate. Amen. Na déclare. Je déclare. Dengue contaminé bâton ya Moïse. Déclare contaminé le bâton de Moïse. Dengue tikali na dès qu'il était resté dans les eaux d'Élysée, dès qu'il a contaminé par Michoua, Yosu, par Yeko, Simba, Paul, dès qu'il a contaminé tous les linges qui touchaient Paul, que la puissance de Dieu pénètre en toi, matériel, il contamine tout matériel, miracle, je décrète des miracles, miracle créatif, miracle, intervention surnaturelle, intervention surnaturelle, reçois, Yamba yango, reçois, ça coule, reçois, Yamba, Yamba, j'ai dit reçois, et son coulé, ça coule, et son coulé, ça coule, reçois ta délivrance, Yamba délivrance. Je chasse toute maladie, tout mauvais esprit, je chasse. Reçois cet écoulement. Yamba écoulement. Reçois cet écoulement. Yamba écoulement. Reçois cette visitation. Yamba visitation. Il est omniprésent. Il est là où vous êtes. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît ton état. Il connaît ton situation. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen.
Et à partir de l'eau, matériel. Je me dis que c'est matériel. N'est plus un simple matériel. Il est contaminé par la puissance du Saint-Esprit. À chaque moment, vous avez besoin d'intervention divine. Si tu as besoin d'intervention divine, trouve ce matériel. Utilise. Selon la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambo la Bible. Vous avez un témoignage. Tu as un témoignage. N'oublie pas. Il faut que la gloire lui soit rendue. Si tu ne mettrais pas au cœur, se retient à monter ma tête, de rendre gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Je ne veux pas que ta bénédiction soit maudite. Appelle-nous. Tina voice audio. Envoie des messages audio. Vidéo. Même la vidéo. Avec ton image. Tu parles. Tu partages. Témoignage. Ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous allons montrer au monde afin que la gloire soit rendue à Christ. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez connectés. Vous allez connecter. Soyez branchés. Vous allez brancher. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ciao. À dominer sous cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe, à partir de l'élo, n'a commis sur intouchable, n'a commis sur bino invisible. Na yoko kote sayo, na linie ya batuba isapa makambu ya tenyewane.